Le président Macky Sall a effectué dans la nuit du dimanche au lundi la Umra ou petit pèlerinage, accompagné de son épouse la première dame Mariam Sall et d'une délégation. Le président Macky Sall s'est rendu à la Kaaba, la maison d'Allah ou encore la maison sacrée, pour sacrifier dans un premier temps au rituel des sept tours de la Kaaba, le Tawaf. Allahumma, Allahumma, inni as'aluka ya Allah, inni as'aluka ya Allah, al-afwa, al-afwa, wal-afiyata, wal-afiyata, wa lillahi alhamd, wa lillahi alhamd, Rabbana atina, الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. La Kaaba est jusqu'ici une des adorations les plus importantes et le site le plus sacré de l'islam. Le but des musulmans en vénérant la Kaaba est d'en tirer une bénédiction. Après cette première étape de la Umra, des moments de prière et de ferveur religieuse, des prières ont été formulées pour la paix, la sécurité et la prospérité au Sénégal. Ensuite vient le trajet du Safa Marwa. Un acte de dévotion à Allah. Là également, les sept parcours sont obligatoires. الأعز الأكرم إنك أنت الله الأجل الأجل الجليل الرحيم الرحمن مالك الملك إلينا آباء وأمهات اللهم جازهم يا الله خير الجزاء وآثبهم عنا. Une prière s'impose après le Safa Marwa. La Umra ou petit pèlerinage peut se dérouler à n'importe quelle période de l'année. Le président Macky Sall, en fervent croyant, ne manque pas l'occasion de sacrifier à ce rituel de l'islam.